On va ouvrir des caisses, il y a eu un petit problème technique que je vais vous expliquer, mais c'est pas, ça va pas ruiner le stream non plus. On va, pendant une heure, on va ouvrir des caisses sur le compte uniquement de Bidule, parce que les inventaires Steam sont down depuis quelques temps et j'ai pas pu me procurer de caisses. Prochaine fois, je mettrai une double dose, on va dire. Alors, des caisses, qu'est-ce que j'ai comme caisses? Donc, moi, toutes les caisses que j'ai là, pour l'anecdote, elles viennent de mon compte Smurf, donc qui était un compte que j'avais bah, à l'époque à laquelle on Ah bon? jouait. Tout? Toutes les caisses à 100%, j'en ai Merde. acheté quelques-unes en plus, mais il y avait pour 800 balles de caisses sur le Smurf. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne parce que toutes les caisses ont augmenté de ouf bah, les 5 dernières années. Pourquoi il y a 200 000? Ah, c'est la mienne là. Ah, il y avait les 7 dedans. Oh, c'est trop bien. Oh! Donc voilà, on Oh, peut. attends, attends, ça, y a une couille là. Ah, j'ai rien fait. Oh! Mais non! Attends, ils l'ont vu ou pas? Ils l'ont vu ou pas? Ils l'ont vu ou pas? J'espère que ça a pas Oh, bugué. Oh, ils l'ont vu! Ok. Bah voilà! Incroyable! Attends, il est bien violet, Magnifique! hein? Il est neuf, beau. Oh, le fade de Il est bien violet, baiser! hein? Un beau float aussi, 0029. Bowie fade, les amis! Attends, mais bon, il faut que je clip là. Bowie fade au bout de 10 minutes de stream. Ah, Ah, c'est pas le même stream là. Ah, il y a une couille sur le. Magnifique! Sur le call Discord. Vous l'avez vu du début à la fin? Eh, ça, ils vont croire que c'est setup. Et bah voilà! Voilà! Ah, Bowie fade, c'est bien. Voilà! Hein. Bah, Bowie fade, je En pense que plus, fade. c'est l'un des meilleurs Bowie. C'est même sûrement le meilleur Bowie de la caisse. À part les Doppler. Ah non, c'est pas la dernière les Doppler. Je pense que Bowie fade, c'est le meilleur Bowie de la caisse Wildfire. Hein. Mais Bowie fade, c'est entre. C'est 600 euros normalement. 600 balles, let's go. Là, je vois, là, c'est 600. Il y a un très beau fade. Hein. Est-ce qu'il y avait un meilleur Bowie à avoir? Non. Le type gelé est vraiment incroyable, le pardon est ouf. Let's go les gars, le couteau, putain! Le Kaiser de Ned, il pouvait être mieux si on l'avait en Factory New, mais c'est tout. Okay. T'as quoi comme grosse caisse là, des breakouts ou quoi? J'ai des breakouts. Je crois pas que j'en ai beaucoup des breakouts. J'en ai peut-être 5 ou 6. Yo Rocknar, y'a eu des drops depuis? Non, y'a rien. Ah non, j'en ai. Ah bah non, j'en ai... Ah non, j'en ai pas mal des breakouts. Hein. Oh! Breakout, on rappelle cette caisse. Oh qui là coûte là. Maintenant 6€. Elle a encore monté. On a forcément un Butterfly. Et un Butterfly, c'est au moins financière. 800, 900 maintenant. Ouais, facile. Et là, ça vaut rien, la P90, mais là... Si t'as un Butterfly à 900, tu peux t'estimer malchanceux. Après, il n'y avait pas encore tous les skin doppers. Du coup, là, le meilleur couteau ici, c'est le Butterfly Fade aussi. Pas Statrack. Tu peux avoir du Saphir là-dedans. C'est vrai que la plupart des couteaux Statrack valent pas plus cher que les couteaux normaux. Et parfois même moins cher. Parce que les gens n'aiment pas les Statrack sur les couteaux. Tu sais, quand t'as un couteau qui est neuf et beau, quand t'as... Bah, vu que le Statrack est genre sur la lame, c'est dégueulasse un peu. Après, Bowie, pire cut du jeu. Alors moi, je suis pas un grand fan du Bowie, mais il y a vraiment pire que le Bowie. Hein. Le stiletto, les des gens... Dagues, les pas dagues, le stiletto, non, le stiletto, c'est masterclass. Les dagues et le navaja, voilà. Ça, le navaja. Le gut, le shadow knives, là, c'est tout pourri. Moi, je trouve que le gut, c'est pas un couteau de ouf, certes, mais il est trop trash talk. Moi, je trouve que le gut, il est ok tier, en vrai. C'est un bon cut d'entrée de gamme, tu on va dire. Tu fais une tier list des couteaux, voilà. Vas-y. Enfin, vas-y, si tu veux, c'est ton stream. Hein. Vous êtes chaud ou pas, le chat? Non. Oh, fils de... Non! Oh le bait de l'année mon ref! Cette AK là elle est très belle aussi, hein. La fuel injector. Cette AK je l'ai joué sur CS2 et... Ouais. Bon elle est juste belle. Ouais, c'est pas une fait... AK qui reflète de fou. Ils ont fait une mage récemment la CS2 qui ruine les stickers. Bon, c'est sûrement un bug qu'ils vont rectifier mais t'as des stickers ultra rares qui rendent super mal du coup sur le jeu. Ouais, je crois qu'ils l'ont corrigé déjà. Pour moi, s'il y a une tier list, pour moi Butterfly est tout seul rank S. C'est le meilleur couteau du jeu. Même si le knife, si le knife est pas beau, l'animation carry tellement tout. Hop les gars, on va passer en double screen et faire une petite tier list afin de se mettre d'accord. Bon les gars, commençons à faire dans l'ordre la baïonnette. Que pensons-nous de la baïonnette? Moi je mettrais ça en B parce que c'est beau. Ouais. Mais c'est vraiment moyen. Bah l'animation est classique mais... Ouais pareil, moi B je suis d'accord. C'est pas un couteau qui pourrait me dégoûter en tout cas, il est agréable. Le Butterfly, on est d'accord hein. Ah ouais. Moi il y a des moments où je l'aime, des moments où j'ai pas envie de le jouer mais globalement. Survival Knife. Sous-côté moi j'aime beaucoup. Survival Knife moi j'aime beaucoup. Et en plus, il revient à la mode dans CS2 parce que c'est le passé des couteaux où l'animation rare, donc en gros il le lance comme ça devient l'animation de base. Ah oui il fait ça là. Ouais. Ça devient l'animation de base, comme le skeleton où l'animation rare devient celui de base, et je crois le fauchon aussi, non? Mais pour moi, survival, c'est. Le fauchon, ce serait con, l'animation de base, ce soit ça, ce serait un peu hors RP, je trouve. Pour moi, c'est B ou A. Moi, je mets plutôt ça en B parce que je le vois mal être devant une baïonnette quand même. Ouais. Parce que aussi, c'est un nouveau et on est hype parce que c'est un nouveau, mais après, on s'habitue. Hein. Paracord, c'est la même animation que la baïonnette. C'est un peu une baïonnette de Wish parce que ça coûte aussi moins cher. Moi j'aime beaucoup Paracord aussi, mais je suis d'accord pour le B. Et oh, ah oui, pareil, Paracord aussi dans CS2, l'animation rare donc, où il envoie le couteau à droite
ou à gauche si t'es gaucher, et bah ça va devenir l'animation classique. Le classique, moi, ah, j'aime beaucoup. Moi j'ai mon avis, le classique Nike c'est D. C'est D, ah ouais, de ouf. Je préfère largement l'animation du couteau de base, l'animation elle est dégueulasse, on dirait qu'il fait c'est nul. Moi je trouve ça affreux. Le fauchon. Je suis très dubitatif, hein, le chat, vous en pensez quoi? Ah, pour moi c'est un dé énorme le fauchon. Frère, le couteau c'est un couteau à beurre, faut arrêter au bout d'un moment. Flip knife pour moi c'est un A, c'est un de mes couteaux préférés, animation bien. Petit couteau, les autres en général ils sont assez gros. Ouais, j'aime trop Flip Knife. Ah ouais. Et j'aime aussi l'animation de Switch avec la WAP, j'ai un bon feeling. Ouais, j'avoue, la transition elle est cool, mais pour moi... Quand tu l'as dans tes mains, c'est pas fou, mais quand t'as Switch... Pour moi, c'est un C. Pour moi, ah c'est oui un C. Bah oui. Et tu trouves du coup le paracord mieux que le Flip? Ouais. Gut Knife, A. Hein. S ouais. Même. S de fou. Bon, les gars, vous en pensez quoi du Gut? Toi, t'as dit qu'il était... Moi, je dirais C. Pas... Moi, pour moi, il mérite pas le Gut Knife. Parce que certes, la forme est... Voilà, elle est un peu arrondie, ça mange bien. Bah moi je mettrais D. Ça va pas à la salle, mais pour autant l'animation est cool, tu vois. La rotation en l'air, moi j'aime bien. Je comprends pas, mais y a des gens qui aiment bien manger leur caca, donc à partir de là on peut tout comprendre. Navaja, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de sondage. Autant jouer à couteau de base. Le truc c'est une cuillère. Ouais, mais après c'est que c'est le couteau le moins cher et ça se répercute bien. Parce que là sur notre tier list, plus on monte, plus les couteaux sont chers. Et plus on baisse, plus ils sont pas chers, donc... Faire une bonne étude de marché. Les gars, le Karambit. Ah. Pour moi, ça, c'est du A fort, en vrai, pour moi, voire du S. Pour moi, je le jouais beaucoup avant. Et maintenant, je sais pas, j'ai moins de feeling avec. Mais j'avoue, je suis d'accord pour un A. Oh, le rouge. Non, la prédiction, elle est finie. Il est 17h27. Non. Oh, ça pue sa mère. Non. Du coup, Karambit A, on est d'accord? Ouais, ça me va. Moi, je trouve en jeu, il est pas si incroyable que ça. Il est super bien, mais il est pas énorme. Mais par contre, quand tu le vois dans les previews d'inventaire, je trouve que c'est le plus beau. Ça, le couteau qu'on a eu au début de stream, les amis. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans les previews d'inventaire. C'est le couteau qui est plus stylé. Non, pas comme ça, mais l'icône. L'icône? Juste l'icône, ouais. Juste comme ça, là. Ah, juste comme ça? Ouais. Ah, bah c'est un 48. Ah, mais c'est... Ah oui, c'est celui qui rend le... Ouais, ouais. C'est celui qui rend le mieux, je trouve. La M9, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, pour moi, ça se bat vraiment avec le Butterfly. Hein. Pour moi, c'est A ou S, mais M9, c'est un feeling, c'est... C'est dantesque, c'est historique. Ah, je suis d'accord, hein. Moi je la mets aussi, je la rembite aussi. Non, je suis d'accord pour la mettre en ouais. S1. Ouais, vas-y. En plus, c'est le couteau que je joue tout le temps, donc ce serait un peu hypocrite de le mettre en dessous de Butterfly. Mais... Le Nomade, alors là, j'ai du mal parce que je l'ai jamais joué. Moi j'aime beaucoup. Mais j'ai vu Simple jouer. J'aime beaucoup, j'en ai un, je le joue pas mal en vrai. Pour moi, c'est un petit B, un B correct. Ah ouais, il est bien comme ça. Ouais, là, il est vraiment bien. Faudrait que j'essaye. Un B, même un A. On va mettre devant la baïonnette. Ah merde, je l'ai mis en A. Les Shadow Daggers, c'est un désastre pour moi. Allez, ça part en D direct. Ce plug dans le chat, est-ce qu'il y a quelques personnes dans le chat qui aiment les Shadow Daggers qui voudraient nous expliquer pourquoi c'est des psychopathes comme ça? En vrai, à un moment, j'ai joué avec moi. C'est vrai, le petit truc de... Je jouais aussi pour le mouvement ouais. Bizarre que ça fait sur l'écran. En vrai, je pense, dans la vraie vie, ça peut être méta de se battre avec. Genre, tu prends un gars qui au Navaja et un gars au Shadow Dagger, je pense le gars au Shadow Dagger. Bon, personne gagne au Navaja. Je te jure, un gars au Navaja, tu le bats avec une fourchette. Oh, Skeleton, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un beau... L'animation, le Skeleton qui tourne, oui. Là. Et pareil, encore une fois. Un des meilleurs ajouts. Comme on a dit, il repart à l'honneur sur CS2 vu que l'animation rare, donc qui fait une rotation machin, devient l'animation de base. Tilto, j'aime bien, il est unique, c'est un petit... Ouais, c'est un stylé, toi. Un bâton comme ça là, bien perçant, je pense que c'est le couteau le plus perçant selon mon analyse, bien aérodynamique. Ouais, le stiletto, je le mets, personnellement je le mets... On respecte pas du tout moi. Ah, je sais pas. Et voilà, je me fais bêta en rose, dommage. Ouais, allez, on le met là. Le Bowie. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il est un peu trop grand. Moi je joue pas avec un Bowie. Hein. Bon, mieux que le 9. Que là, avec mon je le mets vraiment derrière le classique. Il y a moins que je l'essaye en jeu. Ouais. Ah ouais, les couteaux que tu drops, ils ont toujours une meilleure valeur sentimentale. Ouais. C'est pour ça que je joue avec un Gut Knife de merde au début. Le Chasseur. Pour le coup, le Chasseur, même animation que le Gut, mais il est beaucoup plus beau. Ouais. Donc. Mieux que. Un petit B. Pour moi, B c'est quand même bien payé. Mais ouais, bien payé, bien. Derrière le flip. Et hop, j'avais pas vu, tu as classé le Talon Knife. Non, je crois, il nous reste que deux couteaux. Ah oui. Mais là il y a le lui avant là. Pour moi ce côté pareil. Comment ça Ursus. L'Ursus sous côté. L'animation où tu FR et tu tournes autour de ton doigt comme ça là. Ah bon? Ah ouais. Mais il tourne avec quoi? Il tourne, il fait genre, je sais plus exactement. Il y a pas de rond. Un truc comme ça. Non, il fait genre, il met sur le manche, et il fait genre comme ça. Tu vois pas? Un peu comme l'animation d'un talon ou d'un ou d'une cheville. Pour moi, c'est un meilleur Huntsman. Bon, la forme est un peu ridicule pour le coup. Il faut qu'il fasse l'animation. Voilà ça.
Ah, ok, oui. vois? Ça, c'est banger, ça. Ça, cette animation-là en jeu. Il a fait en boucle en plus là. Moi, j'imaginais un truc comme le skeleton, du coup, je voyais pas comment. Ah, je suis d'accord en vrai, mais il y a beaucoup de couteaux en B là, il faudrait une catégorie en plus en fait. Et le canif, moi. Quoi? Alors Non, moi, j'aime moi. bien. Ah oui, moi, je me positionne direct, et encore une fois, c'est mon avis. Pour moi, c'est S. Ah ouais? Ah ouais? Le talon, c'est incroyable, moi. Au début, tu le trouves un peu honteux, et quand tu comprends Ouais, ce que ouais, c'est. Moi, j'avais un Tiger Tooth aussi, je crois. Et ouais, c'est très agréable. Voilà notre tier list, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une tier list un peu collective, parce que même le chat a eu son mot à dire sur le cut, je crois. si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit d'aimer les Shadowlaggers, là. Allez, un En butterfly, vrai, là. si vous aimez les Navajas, c'est bien, parce que vous pourrez avoir les couteaux que vous préférez pour pas cher. C'est ça qui est incroyable. Allez, let's go. Et voilà, regardez la fire serpent qui va passer devant nous là. 75 € la caisse, les Oh non, amis. la gra... Oh non! Ah, oh, c'est des bâtards. Eh, pas mal, Sniper. hein. Sniper. Pas mal, Eh, il est beau. pour 80 balles, franchement, je pense que je suis rentable, hein. Vous allez au Major sur Paris. Oui, si on n'a pas de ticket, on se démerdera pour en avoir et au pire, on se fera. Ouais. On fera marcher les contacts. J'arrive, je montre ma chaîne YouTube. Je pense qu'ils vont me raise. Un peu trop confiance, là. Des places de merde, les gars, c'est pas grave, moi, tant que je peux faire du content. Je vais arriver, caméra, en faisant marcher les contacts sur place, il y a moyen quand même d'avoir accès à des endroits. Des trucs. Arriver sur la scène, soulever la coupe. Moi, je le porte juste comme ça, moi, comme le roi lion. Ouais, je pense que là, c'est pas le truc le plus confortable pour lui, mais... Et il a vraiment des griffes longs. Oh, 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 fils de... Pétez un plomb, là. Pourquoi j'ouvre des fractures? Petit pas à corde dans ton cul. Dégoûté, je suis dégoûté. En vrai, par contre, je pense qu'il va monter les mains sur un petit 150 balles. Le gars, d'où je me plains, mais. Ah! J'ai mis 1000 € de caisse aujourd'hui, j'ai un coup de 300 balles. Les gars, est-ce qu'on peut atteindre les 1000 viewers? 906. Allez, appelez votre père là. J'arrête de respirer tant que je vois pas 1000. Ok. Ça veut juste pas s'actualiser. Hein. Mais 12, 1012 là, c'est bon? Ouais. Ah, c'est bon. Ah, ça fait plaisir ça. Ah oui, sans nous dire. C'est Julien qui a pris mon téléphone qui a réservé surtout. Oh merde, j'ai écrit pour le carré. J'ai envie de t'embêter, Adrien. Ah non. Ah, oh, 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 mais incroyable! C'est au moins 1005 ça, non? Oh là là! J'étais. Battle qui fils de pute! C'est ça qui a le prix? Oh putain! Bingo. 1050! 1050! Magnifique! Bah je t'ai dépassé! Ouais! Il est Battle Scarn, ouais! Putain, il est bien, bien laid, hein! Il est bien, bien sale! Personne va vouloir l'acheter. On se rejoint sur kick.com/roquenard, les gars. On va passer sur une session casino d'anthologie. Faites un compte, ça va très vite. Vous pouvez aussi télécharger l'appli. J'arrive tout de suite dans une minute, les gars. À maintenant.